Shalom à tous, alors on continue toujours le Siman 131, on est toujours dans Vidou, une filat apaim, et on est aujourd'hui dans l'acha Kafale 21. Ima choupa va kidushim, voilà, on parle de bonnes choses. Si la choupa les kidushim, nerachim les machal, ils ont été organisés par exemple, yom revi mercredi, samon l'ashkia, juste avant l'ashkia. Kemo, comme on a l'habitude à Yerushalayim, afapi, bien que les nian shiva brachot, pour les shiva brachot, nishlamim shiva imi amishle biom shlishi. Bah, le mardi, avec la Shkia, on a fini les Sheva Brachot. Mikol Makom, cependant, les Nyan Vidou, et pour le Vidou et Nefiat Apaim, on peut être Mekel jusqu'au lendemain. At Sof Shiva Yami, mais et le et, on peut jusqu'à 7 jours vraiment plein depuis l'heure de la Choupa. Kavbet. Amit Palel Bebet Eva, celui qui prie dans une maison de deuil. En Omri Vidou et Nefiat Apaim, il ne faut pas te faire de Vidou. Bekol Shiva Yami Eva durant les 7 jours. Bien que l'endeuillé il n'est pas là, ça ne change rien, on ne dit pas. En fait, comme il y a déjà l'attribut de rigueur dans cette famille, on ne veut pas en rajouter. On a l'habitude de ne pas dire, dès qu'on prie dans la maison, manoir, haniftar, de la personne qui est décédée, on ne fait pas de tachanonim. Il n'y a pas besoin de compléter, mais non, t'es pas tour. Kol sheken im yesham nashim, à plus forte raison, s'il y a des femmes qui font les shiva, Av shen sham ish, bien qu'il n'y a pas d'homme, im kolze en umrim, on ne dit pas vidou nefilat yapaim, achada kalbaim, étant donné qu'on vient lire vodo chez la niftar en l'honneur du mort, donc on ne fait jamais de vidou de tachanonim dans la maison d'un deuil. Kav gimel, im en minyan bebet evel, s'il n'y a pas de minyan, ou ba evel e bet akneset ke de lomar kadish, et l'endeuillé vient à la synagogue pour dire kadish. Lishmoa kdusha barechou. Alors là, c'est différent. Trichim loma, là on doit dire, parce que quand on va chez lui, c'est par respect pour lui, parce qu'on va chez lui. Mais si c'est l'endelé qui vient, il ne nous rend pas patour, c'est pas comme un khatan. Aval imba, sheba le bet akneset berev à Shiva. Maintenant, s'il vient pour la fin des Shiva, et là on va faire des discours, Yuran Seuda, comme on a l'habitude de faire, l'itpalen mincha varvit, va kalmitasef, et le kal se réunit. Qui délige moi d'ivrei Torah pour écouter les paroles de la Torah. Vesped, et les oraisons funèbres. Les lounishmat, aniftar. Et les achlok logavo pour faire kavod à la personne qui est décédée. En loma vidou, là dans ce cas-là, on ne dit pas nefilat yapaim. Donc encore une fois, à la synagogue, si c'est dans la semaine, on fera. Mais si c'est le jour des Shiva, des 7 jours, et on fait une petite une soirée de Torah avec des brachot, là on ne dira pas. Yesh mekomot shelolam em omri. Il y en a qui ne... Voilà, il faut savoir qu'il y a des minagim aussi. Donc si un jour vous êtes dans une synagogue, il y a des endroits, dès qu'il y a le Evel, ils ne font pas tachanoun. Yesh la mashismuru, ils ont quand même sur quoi s'appuyer. Kavdalet. Pashat aminag beret Israël. C'est répandu le minag en Eret Israël. Ou bekama mekomot, et dans plusieurs endroits. Keshesh bebet aknezet nar. Quand il y a dans une synagogue un bar mitzvah, mazel tov, shimaniart filin beyon. Il met les tfilim le vrai jour de la bar mitzvah, les 13 jours, les 13 ans et un jour, viom echad. Et nous, beyom les datos, le jour de sa naissance. Chez l'olomar vidouille, on ne dit pas vidouille et nefilat yapaim. Keshem den ombrim, vidouille, nefilat yapaim, keshesh khatan. De même qu'un khatan, on ne dit pas. Un bar mitzvah, il est comme un khatan, il se marie avec la Torah, on ne dit pas. Et natnou smach, l'aide avant d'a donné un signe. Chez un bar mitzvah, domé le khatan. On dit qu'un bar mitzvah, on l'appelle d'ailleurs le khatan bar mitzvah. Shinema kechatan yichen per tefilin, parce que les tefilin sont appelés per, une gloire. Perecha chavush alecha, ta gloire est sur toi. O minagze, ce minag il est nachon, il est bien. On a sur quoi s'appuyer, donc de ne pas faire tachanoun lors d'un chatan bar mitzvah. Café. Shesh mila, maintenant quand une brit mila dans la synagogue. En lomar sham vidouille, on ne dit pas de vidouille. Vene filat yapaim, le jour de la mila. Afulu emit palelim. Même si tu pries Od, Kama Minyani Bezacharze, plusieurs minyan l'un après l'autre, Kulam Pturim, tout le monde est dispensé de dire Nefilat Yapaim. Vous vous rendez compte, donc Kenbrit Mila, tous les minyani de la synagogue, eh ben on ne dira pas, comme c'est l'endroit où on va faire la Brit Mila, tout le monde est pas tout. Aviaben, maintenant, quand il y a le papa ou le sandak qui est avec nous, Animsa qui se trouve avec nous le jour de la Brit Mila, ou on a le sandak avec nous, ou le Moel, un des trois. Le papa, le moël, le sandak. Afalpi, bien que la mila, elle n'est pas dans la synagogue, elle est dans le salle, elle est ailleurs, elle est à la maison. Kol atibou mitpayen, tout le tibou, ils sont pturim.
on est dispensé de faire le vidou, Nefilat Yapaim, en l'honneur des Baalé Abrit. Toute la journée, Shacharit et Mincha, vous vous rendez compte, à condition qu'ils prient avec nous. Ben Kodem, que ce soit avant l'abrit ou après l'abrit. Yom Tov, parce que pour eux c'est un Yom Tov. Mais il faut qu'il y ait un des trois qui prie avec nous. Yesh Mashkenazim, il y a des Ashkenazim. Anoagim Shim Abrit Aya Beshava Beshot Zoreim. Il y en a qui disent que si l'abrit elle est l'après-midi et qu'ils font Mincha vers le soir, Omrim Vidou. Il y en a qui disent que dans ce cas-là on ferait le Vidou, mais nous on n'a pas cette habitude. Et la dernière pour aujourd'hui. Yesh Noagim Loma Yud Gimel Midot. On a l'habitude pendant la Brit Mila de faire les 13 attributs de miséricorde. Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun. Mia, tout de suite après le Chitour. Ou Davka, Bizman. Ça, c'est quand le Tibour, il est Bet Sara, dans un moment de souffrance. Vesh Noagim, il y en a qui ont l'habitude de faire ça, même Shabbat Yom Tov. Ach, En, Linoken, Ela, Besha, Tzara. Mais il faut le faire qu'en temps de souffrance, de maladie ou de guerre. Là, dans ce cas-là, il est recommandé de faire ça. Voilà, Bouchachem, on a terminé pour aujourd'hui.